Bonjour et bienvenue dans cette démonstration de la sélection dans les résultats de recherche. Dans Bokeh, je viens de chercher la poire et normalement il me propose pour chacune des notices de pouvoir la mettre dans un de mes paniers. Désormais, l'administrateur peut activer une nouvelle variable Enable Search Multiple Record Selection qui va permettre aux utilisateurs de pouvoir sélectionner plusieurs notices dans les résultats de recherche. Maintenant que j'ai activé cette variable, dans mon résultat de recherche, je constate qu'il y a un nouveau petit menu et qu'à la place de la mise au panier, Bokeh me propose une case à cocher. Si je coche cette case, on voit que ma sélection comporte 3 notices. Je peux chercher d'autres notices. Si j'aime bien les pommes, je vais chercher des pommes et mettre d'autres notices dans ma sélection. J'ai maintenant une sélection de 5 notices. Je peux aller voir le contenu de ma sélection. Et voici mes 5 notices. Voyons à présent quelles autres actions je peux faire sur le petit menu de sélection. Revenons à la recherche. Pour cette sélection temporaire, je peux sélectionner toute une page de résultats. Me voici avec 23 notices dans ma sélection. Actuellement, j'ai un résultat qui comporte 321 notices. Je peux décider de toutes les mettre dans ma sélection en sélectionnant tous les résultats. Comme j'en avais sélectionné deux avant, j'en ai maintenant 323. Je peux voir la sélection comme on a déjà vu précédemment et je peux la vider. Pouf, plus rien dans ma sélection. Resélectionnant cette page. Je peux mettre les notices de cette sélection dans un panier. Et on voit que on aboutit à la même fonctionnalité que de mettre séparément chaque notice dans le panier. Je peux choisir un nouveau panier, changer de panier, etc. Mais on peut aussi activer, quand c'est disponible, l'impression des notices. Pour ce faire, je vais aller dans l'administration de Bokeh. Dans mise en page modèle d'impression et je vais générer les modèles par défaut. Bokeh m'a généré des modèles par défaut pour le résultat de recherche. Une fois que ces modèles par défaut sont activés, de nouveaux choix s'offrent à moi et désormais je peux imprimer ou partager par email un résultat de recherche. Lorsque j'ai une sélection en cours, par exemple, là j'ai une sélection de 20 notices, les 20 notices de la première page. Lorsque j'ai une sélection en cours, Bokeh me proposera d'imprimer uniquement ces 20 notices. Et si je souhaite les envoyer par mail, Bokeh limitera aussi la sélection aux 20 notices. Maintenant, si je vide ma sélection, on pourra constater, voilà, ma sélection est vidée. On pourra constater en retournant sur la recherche, que si je décide d'imprimer, je vais avoir une liste beaucoup plus grande, contenant au maximum 200 notices. Et ce sera pareil en ce qui concerne le partage par email. Et voilà, c'est fini pour cette démonstration. À bientôt dans la prochaine démonstration.